إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد زليف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته nous retrouvons pour notre troisième sujet pour aujourd'hui concernant notre sixième manhaj et nous pouvons apprendre, nous pouvons étudier pour cela et là livre cette raison et dedans nous arrivons après qu'il nous fait une introduction la dernière fois à l'Sufia. Alors aujourd'hui, nous pouvons continuer concernant Sophia. Et comment je trouvais, c'est la page 35 de ce livre, je suis capable de suivre. Bon, Sophia, comment nous trouvons, il faut sur l'origine que dit Sorti, c'est un kitso qui partait exister dans l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et aussi, nous dit, amène ban explication concernant l'origine quotidienne et n'a pas dit ahle soufa et n'a dit ce concernant ban c'est qui je te servi ban je vais ban l'aise la soie. Alors pour ça nous fin déjà terminé. Alors pour aujourd'hui nous guette un petit peu ban les autres points qui concernent nous. Dans le livre, fait mention qui ben Sophia, quelque chose qui je crois dedans et je dis à qui besoin faire besoin ena, c'est que chaque personne besoin ena en, chaque personne besoin ena en cher. Et en cher ici, c'est pas un cher qu'il apprend avec lui, mais c'est un cher qui normalement maintenant je suis lui pour tout ben quelque chose c'est qui je suis là pour faire tout quelque chose ce qui je suis là pour faire je suis là pour dire et il y a un petit peu dans les sens comment nous connaît ben les autres communautés je suis là un prêtre spécial qui tout quelque chose je bise à passe par lui c'est à concernant mariage concernant peu importe qui quelque chose je suis là il a même passé le tout il a pour faire les autres bandes d'affaires je dois obliger passeport ça prête là et ça prête là qui comment dire les pour dire juste qui besoin faire qui pas besoin faire alors ça Dorvan Soufi conception c'est qui je ena c'est sa conception là qui je besoin ena en cher et parmi je ban grand alim ban grand c'est qui va dire la connaissance al-Bustami il dit man lam yakun lahu ustadhun fa imamuhu ash-shaytan c'est celui qui pena un cheikh, il peine un professeur, son imam, c'est Shaitan. C'est comme s'il obligeait Ena, sa cheikh là. C'est sans sa cheikh là, il n'est pas pour comprendre rien. Et nous connaissons qui, ça qui chose, c'est un qui chose, c'est qui, il n'est pas, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fin enseigne nous, ça qui chose là. Oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ben sahaba, tu prends lui comme, comme je te modèle, parce qu'il est type enseigne l'islam. Après Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après cela mot, finina Abu Bakr radiallahu anhu comme khalifa, mais pas dans aucune place de Coran, de hadith qui mentionné, ou ça dans l'histoire de ma musulman mentionné, qui ban sahaba, je t'y paye, comment dire, je t'y prends, Abu Bakr radiallahu anhu comme, comment dire, c'est un cheikh, c'est comme un guide spirituel, comme ban soufi, je t'appelle ça. Alors ça c'est une petite chose c'est qui l'hypatie existait et au contraire nous trouver dans la vie Abu Bakr radiallahu anhu li et na c'est une petite chose qui lui-même dit tu peux prendre en consultation avec les autres ben sahaba tels comme Omar ibn al-Khattab, Uthman ibn Affan et les autres encore Abdurrahman ibn Auf, Abu Ubaida ibn al-Jarrah, je tu peux tenir une consultation entre eux autres et je tu peux prendre une décision. Et jamais tu es dans ça qui te faisait dans l'époque Abu Bakr, ni dans l'époque Omar ibn al-Khattab, ni dans l'époque de Uthman ibn Affan, et ni dans l'époque de Ali ibn Abi Talib, nous finissons témoins ça. Et même après aussi, après la mort de Khulafa al-Rashidin, nous pas finissons témoins de quelque chose pareil avec ben Sahaba. Alors ça qui te faisait, c'est qu'il besoin d'un imam, besoin d'un cheikh, qui besoin d'écouter tous les temps. Tout qui chose ce qu'il a fait ça c'est un qui chose ce qui dit l'ipena dans l'islam et comme nous dit banna je tena ça terme ce qu'appelle un guide spirituel ça qui chose apena dans l'islam pena aucun place qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin fait mention d'un guide spirituel dans man hadith pena li ban sahaba pas fin ena li de sa façon là comment nous fin expliquer oui ce qui est là dans l'époque de Ban Sahaba, c'est que nous pouvons trouver
dans l'époque de ban ulama, maintenant, si tu peux prendre un ulama comme un professeur, si tu peux apprendre la connaissance avec ban sahaba qui tient la connaissance. Par exemple, nous gagnons Ata ibn Abi Rabah, nous gagnons encore les autres, Saïd ibn Musayyib. Maintenant, si tu peux prendre connaissance avec ban sahaba, il n'a fallu vrai qu'ils viennent prendre connaissance beaucoup plus avec, par exemple, Ata ibn Abi Rabah, ils viennent prendre connaissance beaucoup plus avec Abdullah ibn Abbas, nous gagnons à faire qu'il vienne prendre connaissance beaucoup plus avec Abdullah ibn Omar, nous gagnons Saïd ibn Musayyab qu'il vienne prendre beaucoup connaissance beaucoup plus avec Abu Huraira radiallahu anhu, et ainsi de suite. Il y en a plusieurs comme ça, mais seulement à aucun moment nous pas trouve Ata ibn Abi Rabah, jamais nous trouve n'a faire, jamais nous trouve Saïd ibn Musayyab qui se fin et n'a une conception ce qui m'en soufi je dis concernant ce cher. Mais maintenant je dis considère ça ban sahaba comme je ban professeur, tu tiens en connaissance, tu peux prendre connaissance avec eux, tu peux prendre explication hadith, explication Coran avec banna, et aussi banna c'est que tu peux faire. Maintenant, je peux prendre connaissance avec les autres bandes sahaba aussi. Ces amis qui, comment dire, je peux prendre, zis avec un tel, tu viens, comment dire, mourir, tu viens, comment dire, suivre une seule personne, une seule sahaba. Et ça, il peut exister parmi mes tabi'in, et même parmi mes élèves de mes tabi'in, puis la personne qui vient faire ça pour je demande professeur parmi mes tabi'in, et ainsi de suite. Et quelque chose, c'est qui montre nous encore qui, sa conception de Ben Soufi là, c'est une conception qui n'est pas correcte du tout. C'est parce qu'il nous trouvait qu'il maintenant je besoin faire bay'a avec ben cher. Et normalement, nous connaissons qui bay'a, c'est que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui enseigne nous, c'est qu'il nous fait bay'a avec imam de ben. Imam de ban musulman. C'est imam de ban musulman, c'est avec ban là qui nous fait bay'a, nous prend bay'a, ban khalifa. Mais en ce qui concerne ban chef spirituel, comment je le causais, alors ça, pena non dans l'islam qui enseigne nous ça qui chose là, et ça, une qui chose, c'est qui n'y pas existé. Et nous connaissons très bien concernant même ban sahaba qui, Othman ibn Affan, quand Liti fer et réa, liti dire qui domina, bisin fer, 4 à 4, ban sahaba, radiallahu anhum ajma'in, je t'ai dit, je t'ai corrigé, je t'ai dit, Ali, qui, dans l'époque, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'était 2 à 4 qui nous tuait faire domina, c'est pas 4 à 4. Nous trouvons qui, ban, je finalise, je fais une conseil, je fais une cause avec lui en bien, et je pas fin, comment dire, reste tranquille, l'eau là. Mais je fais une cause en lit en bien, je fais une conseil en bien. Mais tandis que ban cheikh de ban soufi, ben là je dis non, même si cheikh là peut faire errer, même si cheikh là dit d'or quitte ça, nous pas gain droit pose les questions. Et ça c'est quelque chose, c'est que ben là je fais, nous pas gain droit pose question. Si vous pose question avec vous cheikh, ou pose question une personne qui lit appelle un mourid, dit pose question avec ce saint et avec ce cheikh, c'est les fins déshonore ce cheikh. Et il est capable, comment dire, perdu sur place, c'est il est pas pour gagner sa l'estime là parmi ban soufi. Alors ça c'est un quelque chose qui il est pas correct, l'islam pas financé nous ça. Alors ça c'est un quelque chose qui est nouveau à l'islam, c'est qu'on appelle ban bid'a. Un deuxième point pour aujourd'hui concernant le mourid, bien croire dans la perfection de ce cher et suivre ce tariqa. Ce tariqa, c'est ce système, ce façon ce qu'il fait. De toute façon, c'est qui les demandes pour faire. Et je vous trouve, je vous témoigne qu'il y a plusieurs tariqas. Parmi mes chers, mes soufis, il y a plusieurs tariqas. Il y a la tariqa Naqshbandiya, il y a la tariqa Sibakawthariya, il y a la tariqa Tijaniya, il y a plusieurs tariqas, plusieurs façons. C'est tout soufi, pas pareil. Parce que chaque cher, il y en a une certaine tariqa, une certaine façon qu'il y fait, alors chaque soufi pas pareil. Mais nous connaissons que l'islam finance en nous une seule qualité de l'islam, et puis il y en a sa kitso, ce qu'il appelle plusieurs qualités, comment appeler, façon pour adorer. Vous trouvez qu'il y a un soufi, un petit soufi, dit, oh, le matin, vous avez dit, c'est pas 1000,
1000 tels Askar, un autre groupe de vaisseaux fils, il dit, oh non, le matin, c'est un autre Askar 1000 fois. C'est pas l'autre pour dire, oh, telle façon, l'autre pour faire telle façon, chacun il a sa façon de faire. Alors ça, c'est, il n'y a pas un kitso, c'est qui? Un kitso, c'est qui lit? Un kitso, c'est qui lit correct. Il n'y a pas un kitso, c'est qui correct? Et c'est qui, je dis encore, concernant Saban Sheikhla, nous disons, croire dans la perfection de Saban Sheikhla. Croire dans la perfection de Saban Sheikhla, et nous nous connaissons qui, il n'y a personne qui parfait. Il n'y a personne qui, il n'y a personne qui parfait parmi nous. Et nous tous, nous sommes insan qui fait errer. Allah subhanahu wa ta'ala fait créer nous avec la faiblesse. Et n'a rien, c'est qui nous fait. Mais maintenant, je crois que je cherche, c'est mon cher, c'est qui je pas faire PC, je pas faire errer. Hein? Ça, c'est pour les définitions. Je dis, hein, Sophia. Pardon. Il dit qu'un cheikh n'est pas masoum. Il n'est pas masoum, c'est-à-dire qu'il n'est pas infaillible, mais il est mahfoud. C'est ce que je dis le bon terme. Je dis le bon terme. Parce qu'il nous connaît, c'est qui, quand nous dit, le prophète, c'est lui qui masoum. Allah subhanahu wa ta'ala, il protège lui. Mais malgré ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fait un certain manque de choses. Par exemple, il dit avant que Sahaba, pas besoin de faire, comment appeler, concernant Mantam, il dit, je n'ai pas besoin de faire ça. Mais nous trouvons le résultat qui était, c'est qui greffage, hein, faire greffe de Bantam, mais nous trouvons le résultat qu'il avait, le prophète indien, je suis connu de Dunya, plus bien qu'il bon. C'est-à-dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas fin faire ça. Dans la guerre, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il gagne un prisonnier, il dit, sur pitié qui est dans leur lit, il dit, non, mais grâce à Dieu, pas besoin d'exécuter Dieu. Omar ibn Khattab, il dit, besoin d'exécuter Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala dit ça dans le Coran après, besoin d'exécuter Dieu. C'est-à-dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, malgré qu'il y ait un prophète, c'est qui m'a assommé, c'est une autre chose, c'est qui, il arrive, lui, et ça, pour montrer, Allah subhanahu wa ta'ala fait ça, c'est pas pour dénigrer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais pour donner, sauf à dire que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il pas un ange. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est un humain, c'est un insan, qui lui fait errer, lui manger, lui dormir, lui blesser, disant, fin sortir avec lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui fin triste, l'homme fin couler. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait une fin, il me dit, t'as le ventre parce qu'il est humain, il est insan. Alors, ça c'est la réalité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand nous guettons un cheikh de Ben Sophie, nous trouvons Ben Azia, Ben Cheikh là, pas mensonge, hein, mais seulement, je te mahfoud. Je te mahfoud, c'est-à-dire, je te préserve contre PC. Parmi les personnes qui font amène ça, man, qui te chose, nous gagnons, Morlana. Sayyid Alim Ashrafi Jilani, il dit, un mouride, un disciple ne peut tirer parti de la connaissance et des états spirituels de son cher, à moins qu'il obéisse à tous ses ordres et à moins qu'il croie à sa perfection. C'est-à-dire, un mouride qui était, il dit, lui, pas pour capable, gagne la connaissance de sa chair là et des états spirituels de son cher. Il pas pour arrive, ça l'état qui se cherche, il arrive très très fort spirituellement, il arrive bien là-haut, bien fort, il arrive, il pas pour atteindre sa degré là, aussi longtemps qu'il n'y pas obéir tout l'autre de ce cher, obéir à tous ses autres, hein? Tout l'autre de sa cher là, il besoin obéir et à moins qu'il croit à sa perfection et il est obligé de croire qu'il sa cher là, lit parfait, sa cher là, lit parfait. Et c'est ça qui te sauve, c'est que maintenant, je te mets ça dans la tête de man mourir. Man mourir, man personne qui trouve sa man cher là, man personne qui peut suivre sa man cher là, et je crois que sa cher là, n'y pas faire aucun PC. Hein, n'y pas faire aucun PC. Et même man qui te sauve, man PC, c'est qui l'y faire, ben là, j'ai dit, moi non, mais pas PC ça. Comme tu donnes, ben l'exemple va passer, c'est qui est là, peut dire, il peut gagner relâche, peut tomber dans Zina, il n'a pas fait quelque chose, c'est qui plie malin avec ben bourrique, l'eau désert, il dit, non, c'est bateau qui peut couler, alors, il peut essayer, il bouge sa trousse, c'est qu'il y a dans le bateau là. Alors, tout ça là, comme on dit, bizarre, trouve tout excuse pour un cher, même s'il peut faire un NPC. Nous dit que ça dit in al wali al kabir fi ma yadhhar lin nas ya'si wa huwa laysa bi'as, hein, c'est qui, c'est un soufi, il dit, hein, les grands walis lui fait un PC d'après ce qui paraît pour manjimoun, mais en vérité il pas fait un PC. C'est à dire qu'on trouve un wali par exemple et boire, par exemple, on nous connaît
hein, de Dargapai, écoute, le même là, tu es dans la vidéo, le Facebook, tu viens viral sa vidéo là, qui va en boire, ça c'est lui qui en sauce Dargala, il aime boire, whisky, il boire, quelque chose, c'est qui haram, haram, il peut consommer. Et pour nous, c'est un PC. Nous trouvons un PC, et vraiment, c'est un PC. Pour consommer cram, mais pour lui, il arrive, ça décrit dans Soufi là, lui, il peut dire non, ça pas PC pour lui. C'est-à-dire, man, c'est qui, man, du monde qui suivent lui pour trouver, bizarre trouver qui ça, comment trouver les grands valis, il fait un PC, d'après ce qui paraît à man du monde, mais en réalité, il pas peut faire, il pas peut faire PC. Et l'autre place, c'est y a des docteurs Nahid Angal, il dit, one doesn't become a Sufi without honoring the rules of the path. C'est-à-dire, tout ban la loi, tout ban so, ce qui est dans concernant sa part, c'est-à-dire, ce qui est dans, il besoin honorer ça, c'est-à-dire, il pas capable, comment dire, à l'encontre de ça, qui ce qu'il trouve pas bon, il besoin trouve bon, il besoin dire, c'est bon. Alors, ça, c'est maintenant, de toute façon. Et tandis que nous guettons que l'islam, il vient dire, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il veut dire, kullu bani Adam, c'est tous enfants Adam, fait un PC, khatta'un, c'est faire beaucoup, faire beaucoup, faire beaucoup péché. Khatta'un, hein, c'est pas khati, khati, c'est lui qui commet péché. Khatta'un, lui, hein, faire péché en quantité. Tous enfants Adam faire péché en quantité. Mais meilleur parmi ça, qui s'en a, c'est lui qui lui fait tauba, c'est lui qui lui retourne vers Allah subhanahu wa ta'ala, et lui pas faire, lui pas faire, lui pas faire péché. Alors ça, c'est, ben, quelque chose, c'est qui, nouveau à l'islam. Alors, je nous dis, Soufia, c'est un bid'a. Soufia, ça l'engage, bon, ça, ce qu'il dit, qui m'a, man cher, pas fait un PC, c'est un kitso, c'est qu'il n'est pas, il pas correct, parce qu'ils sont pas capables de plier, qui m'a, sahaba, radiallahu anhum, ajma'in. Et l'islam, c'est pas, qui nous montre le tariqa de man cher. L'islam, au contraire, tout ce man tariqa de man cher, là, ça, c'est très certainement, c'est ban, Sabil des shaitans, ça. C'est un chemin des shaitans, comme a rapporté dans sa hadith d'Abdullah bin Mas'ud, radiallahu, qui se connaît très bien, que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, la ligne pour nous. Il tirait en la ligne. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, une fois, tirait en la ligne. Et ensuite, en la ligne droite, à travers. Ensuite, il tirait, ben, la ligne à côté. Il tirait, ben, la ligne à côté de sa ligne droite, là. Et quand il tirait sa ligne là, à côté, il disait, concernant sa chemin droite là, ça c'est chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est as-sirat al-mustaqim. Et tandis que les autres bandes chemin là, c'est ben chemin des shaitans, comment là. Bon, nous verrons face là, parce qu'il n'est pas joli, il n'est pas droite, il n'est pas d'après, c'est qui l'est supposé aider. Bon, nous ne pouvons pas regarder signe droite avec nos mouse. Bon. Et Hadith est là, le messager d'Allah, il trace la ligne pour nous, et il vient dire, ça c'est le chemin d'Allah. Ensuite, il vient tracer plusieurs la ligne côté droite et côté gauche de sa ligne là, il vient dire, ça c'est mon chemin éparpillé. Le sac chemin d'un shaitan qui invite vers lui. Ensuite, le prophète vient lire, ça aya Quran là, wa anna hada sirati mustaqiman, fattabi'uhu, wa la tattabi'u subula, fatafarraqa bikum an sabili. Et ça, il y a Coran, que Allah subhanahu wa ta'ala, et ça, c'est mon chemin. C'est-à-dire, le prophète peut faire référence à sa chemin droite qui dit, dessiné là. Et ensuite, il dit, dans toute ce droiture, et faites tabi'uhu, suivre sa chemin là, voilà, tabi'u subula là, mais pas besoin de suivre, ça, les autres bandes de chemin qui dit dessiné là, sur côté droite là, et côté gauche là, pas suivre, ça mène les autres chemins là, parce qu'il, ça mène chemin là pour écorder depuis Allah subhanahu wa ta'ala, ce chemin. Alors, man soufi, chemin de man soufi, c'est pas sa chemin droite là. Chemin de man soufi, c'est man chemin, c'est qu'il trouve à côté. Alors, c'est un musulman, une personne du bizarre reste loin de ça, et tant que possible, l'y pas rentre dans sa man groupe, qui appelle man groupe soufi. Un autre point qui man soufi, c'est qu'il y a une question qui s'appelle el-hubbu el-ilahi. El-hubbu el-ilahi, c'est-à-dire l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux dire qui, citant une personne, lui fin content, citant lui fin content à Allah subhanahu wa ta'ala, une quantité qui lui n'est plus payé à Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est plus payé à Allah subhanahu wa ta'ala. Et, basant le là, je veux dire qui pas gain droit à dos à Allah avec la frayeur de l'enfer, et nous pas gain droit à dos à Allah avec l'espoir pour gagner Jannah.
Ça, c'est un kitso, c'est qui vraiment li grave. Un kitso qui vraiment li grave. Et sa parole là, li rapportée par Rabi'a al-Adawiyya, une madame, hein, une soufia. Et li dit, dans sa parole qui est très connue, et aujourd'hui, beaucoup de philosophes, je te servis sa parole là, et je te fais croire que ça, c'est l'islam. C'est-à-dire, qui je te fais croire qui il dit, Allahumma in kuntu a'buduka khawfan min narika fa ahriqni minha. Et oh Allah subhanahu wa ta'ala, si mon père ado, toi, à cause, mon père paye à l'enfer, alors brille-moi dans sa même l'enfer. Brille-moi dans sa même l'enfer. Wa in kuntu a'buduka ta'aman fi jannatika fa'ahrumni minha. Et si mon père ado, toi, à cause, moi, dans l'espoir pour gagner jannah, alors fais jannat bin haram l'au moins. Et ça, c'est une personne, quand je saute en dehors. L'islam, on dit, ben, l'enseignement que l'islam finance à nous, je dis ma parole, je fais ma doa qui, comment dire, Allah subhanahu wa ta'ala, pour accepter sa doa là pour eux-mêmes. Et ça, c'est pas l'enseignement de l'islam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il fin demande nous pour qui nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. Oubliez Rasulullah dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait nous connaître qu'il nous besoin faire ibadat Allah subhanahu wa ta'ala. Avec la frayeur, nous besoin à taqwa, nous besoin à khawf pour Allah, et en même temps, nous besoin à l'espoir pour gagner Jannah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il visite sa garçon, c'est qui t'y prie, sa jeune garçon, c'est qui t'y dort, il t'y prie pour moi, hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il dit, Mani, comment te sens-tu-toi? Sans enfant, il dit, oh, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, moi, n'a l'espoir, qui Allah, c'est un mot, moi, n'a la frayeur, qui, Allah subhanahu wa ta'ala attrape-moi pour mon péché qui m'a fait faire et moi j'ai l'espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'époux donne-moi Jannah, l'époux pardonne-moi. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit qu'il n'y a aucune personne qui dans un moment dans sa décalité là fin joindre dans lui excepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne lui sécurité quelque chose qu'il peut payer, c'est donner sécurité contre l'enfer et Allah subhanahu wa ta'ala donne lui quelque chose qui y en a l'espoir là, c'est donner Jannah. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lili, l'amour, un sahabi, un jeune garçon, lui, finit de donner sa parole là, c'est ça l'islam. C'est ça l'islam qui pense à nous. C'est que l'islam, c'est qui nous fait un ibadat avec l'espoir et nous fait un ibadat avec la peur aussi. Les deux ensemble, nous pas qu'à une haine beaucoup plus, nous une haine moins ça. Nous besoin à tous les deux. À cause de ça, le khawf ou le raja, c'est parmi les petites choses de iman, un point important de iman qui nous besoin énorme de nous l'écrire. Et quand nous get hadith, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, fin incite nous pour qu'il nous demande Allah subhanahu wa ta'ala, Jannah, tous les jours, un hadith, 7 fois par jour, demande Jannah, 7 fois par jour, demande protection contre l'enfer, celui qui demande ça, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'enfer, l'ivin haram pour lui, Jannah, pour faire chose pour lui, pour intercéder pour lui. Alors, tout ça, là, c'est une question, c'est qui lit à l'encontre de l'islam, c'est qui m'en soufie, je t'enseigne. Le Coran est là aussi, mon prophète, Ibrahim, alayhi salatu wa salam, il dit, waj'alni min warathati jannati na'im. Donc, dans le Coran, parmi mon plus grand prophète, Ibrahim, alayhi salatu wa salam, un grand prophète, comme on nous connaît très bien, lit qu'il peut dire, lit ce doigt qui fait Allah subhanahu wa ta'ala, il finit enregistré dans le Coran, lit dire, oh, mon Rab, fais-moi vin parmi mon héritier des jannah et na'im, quand il y a beaucoup de faveur là. Ça, c'est Ibrahim, alayhi salatu wa salam, et qui s'en a été, après Muhammad, sallallahu alayhi wa salam, c'est le plus meilleur prophète. Après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, l'un des meilleurs prophètes, et Ibrahim alayhi salatu wa sallam, c'est aussi, comment appeler, le Khalilullah. Il existe des prophètes qui font gagner ce titre-là, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Ibrahim alayhi salatu wa sallam. Alors, c'est l'une fait sa doa-là. Les autres m'ont servité, wa ibadur rahman de surah Al-Furqan, à la fin qu'Allah subhanahu wa ta'ala cause concernant souvent serviteur d'Ar-Rahman, Allah subhanahu wa ta'ala en point man qualité là-dedans, il dit concernant eux, qui doit je te faire? Je dis, Rabbana srif anna azaba jahannam, inna azabaha kana gharama. Ô nos Rabb, protège-nous contre punition de jahannam, certainement sur azab, sur punition de jahannam, il y a une petite chose qui lit, gharama, il y a une petite chose qui lit pour rester continuellement en permanence, il peut être. Alors, tout ça là, nous trouvons qui, ça c'est dans le Coran, dans le Hadith, c'est ça, nous ne citons pas d'aller là avec eux, c'est lui qui demande Jannah 3 fois, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Jannah pour dire, oh Allah, fais-lui rendre de Jannah, c'est lui qui sait se protéger contre l'enfer 3 fois,
Alors, l'enfer pour dire, oh Allah, j'en ai protégé sa personne-là contre l'enfer. Alors, tout cela, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, les fins enseignent-nous. Alors, comment capable qui soufi sur l'enseignement plus bon, c'est-à-dire, soufi peut dire qu'il nous disait, demande Allah, pas adore Allah avec l'espoir et pas adore Allah avec la frayeur. Alors, ça, nous trouvons que ça, c'est pas islam du tout. Ça n'est pas l'islam du tout. Ça, c'est une chose qui est contraire à l'islam. Un autre hadith, une personne, il finit venir, il participe connecté pour lire dans Tashahhud. Alors, il finit dire, oh, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, mais qui te dit quand tu fais salat? Alors, il fait Tashahhud. Ensuite, As'alullah al-Jannah wa a'udhu bihi minan nar. Et me demande Allah subhanahu wa ta'ala Jannah et me cesse protection avec lui contre l'enfer. Alors, le prophète finit dit, Ama wallahi ma ahsanu dandanataka. Il dit, comment il est joli ça quitte chose, c'est que tu fais. Comment il est bon quitte chose, ça. Hein? Il dit, voilà dandanata mu'az. Il dit, comment ça, il est joli ça, me fait serment l'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein, c'est ça même qui y a une chose c'est qu'il est joli ça et Mouaz lui aussi Mouaz ibn Jabal lui aussi il fait presque même qu'il chose même affaire lui demander. Maintenant un autre point concernant un soufi qui montre nous dans l'égarement ça même personne là c'est qui un soufi et un ibadat que d'autres qui appellent sam'a wal-raqs. Sam'a, qui était ça, c'est ce que je fais. C'est le dhikr qui était, c'est ma santé. Moi, nous connais, ma soufi, je te santé. Et quand on peut dire soufi, c'est un terme, c'est qui gras. En bas, parasol des soufis, nous gagnons, par exemple, dans Maurice, c'est Nadi et nous gagnons aussi, man Barilouia. Tout ça, là, c'est soufi, là. Tout ça, là, c'est soufi. Et soufi, c'est un lamé, c'est un l'océan. C'est-à-dire, il y a un soufi pour dire, non, l'autre là, plus pire. Et là, pour l'autre là, c'est qui plie, c'est qui, l'autre là, pour dire, l'autre là, plus pire. Ça qu'un coup, mettre ça. Parce que soufi, c'est vraiment vaste. Soufi, il englobe beaucoup. Et tout soufi, c'est dans l'égarement. Tout soufi, c'est dans l'égarement. Puis, il n'y a aucun soufi qui l'a, la vérité. Alors, ça, parmi les choses que je fais, c'est qu'il appelle un sam'a et un raqs. Un sam'a, c'est un zikar, c'est qu'ils ont fait, c'est qu'ils appellent une santé. Hein, ben santé, c'est qui? Je te santé. Et raqs, c'est qui normalement, je te bouge-bouger. Un soufi, quand on lit le Coran, quand on fait ça, je te bouge-bouger. Jusqu'à qu'il atteigne raqs, c'est danser. Hein, danser. Et ça, c'est un kitso, c'est qui? Lit pas du tout d'après l'islam. Ce n'est Razwi Society, dans un de ce livre, Cheikh Abdelkader Jilani, page 35, il fait mention, il y a The Dance of the Dervishes in Turkey, for example, is well known over the world to the extent that it even attracts the curiosity of non-Muslims, particularly the Europeans. Ça, c'est que je veux dire. Et c'est rien qui est vrai. Et si vous allez sur YouTube, vous trouvez que ça, c'est quand même livré ça qui est ça, qui même pas de cas à faire. Je vais aller, je vais aller en Turquie, je vais filmer le YouTube et l'inconstant. Moi, je peux trouver. Et concernant Saman, comment appeler, concernant Saman, Saman qui trouve ça, santé danser, dans l'époque, Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam, si tu bien fais, c'est dans l'époque, Rasulullah, tu bien fais, ben, sahaba, radiallahu anhu, tu bien fais, est-ce qu'ils ont fini faire, non, ils ont pas fini faire, alors, santé danser, et ce qui plie grave encore, c'est qu'ils ont vint dans ma zid, je te santé, je te danser, je te tape d'af, je te fais tout. Oui, Tabdafa, ben poème, c'est ben kitso, c'est kitina, dans l'époque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tabdaf, c'était pour un moment spécifique. C'était quand, pour les jours des Eid. Les jours des Eid, le prophète t'y permet, pour qui ça n'a t'y permet, ben t'y petits enfants, ben t'y petites filles. Et qui je t'y peux dire là-dedans, je t'y peux dire ben kitso, c'est qui gagne droit, ben kitso, c'est qui permet ici, pas ben kitso, c'est qui à l'encontre de l'islam. Je t'y peux dire ben kitso, c'est qui correct. Et si jamais le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'y entend, je dis ben kitso, c'est qui pas correct, le prophète t'y corrige tout de suite. Et au contraire, nous connaissons très bien, Abou Bakr radiallahu anhu, quand il t'y vient,
l'intérêt maintenant étape d'affa lit en collé avec eux Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dit avec Abu Bakr les autres ces autres jours des fêtes aujourd'hui c'est à dire Abu Bakr radiallahu anhu lit connaît qui tape d'aff c'est man la musique man l'instrument de musique man santé danser tout ça la peine dans l'islam et si les prophètes fin permet existe dans certaines man circonstances comment pour les jours des Eid et quand il y a mariage pour info concernant mariage parmi man madame ça aussi ban nat abdaf mais pas ban monsieur pina pas fait mention aucun place qui ban sahaba men tabi'in men tabi tabi'in je fin tabdaf je fin atabdaf mais quand même ina man ban comment appelé ina man masala de ban ni fik concernant est-ce qui en monsieur gain droit à tabdaf amené est-ce qui en monsieur li pas taper est-ce qu'il y a un droit sort et daf jusqu'à ça aussi ban ulama fin dire est-ce qu'il en a fin détester li et en a fin dire si sort et li pas un problème alors si pour montrer autre qui l'islam li compte ça manque petite chose santé danser la musique tout ça li compte ça mais tandis que nous get ban soufi je dis à qui ça c'est un petite chose c'est qui li correct et ban ulama je viens trouver qui sent quitte chose comme imam Abu Hayyan de ce livre Bahr al Muhit et Ar-Ra'id al Andalusi de ce livre Intisar al Faqir il dit que l'origine des ça li saute depuis ban juif moi nous connais quand je t'ai prié dans Beit al-Maqdis là-bas, il y a un mur qui appelle le mur des lamentations, je tapis, je avec ça, je bouge, je fais ibadet. Ça, c'est man juif. Alors, dans l'Ancien Testament, il mentionnait, dans Pause 149, Louéia, chanté pour Jéhovah, un chant nouveau, sa louange dans l'assemblée des fidèles. Qu'Israël se réjouisse en son grand auteur, les fils de Sion, qu'ils soient joyeux en les rois, qu'il loue son nom avec des danses, qu'il exécute des mélodies pour lui, c'est-à-dire en chantant pour lui avec le tambourin et la harpe. Tambourin, c'est tambour, la harpe, ben l'instrument de musique, c'est qui est là. Mais quand nous get man ulama al-Izz ibn Abdissalam li dit ar-raqs bid'atun la yata'atahu illa naqis al-'aql wa la yaslihu illa lin-nisa. Il dit c'est concernant ar-raqs, c'est-à-dire danser, c'est un bid'a et ça quitte chose là, li pas donné à une personne excepté qu'une personne qui comment dire l'info, une personne qui li moque comment dire un peu sur la cervelle li en moque c'est-à-dire li comment dire de créole comment dire une personne sur li moque un vice dans la tête hein li moque raisonnement et ça n'est pas convenable excepté pour ben madame c'est ben madame aussi c'est dans une situation dans un moment c'est pas tout le temps Mahmoud al-Alusi li dit qui c'est dans sa fin dia ومن السماع المحرم سماع المتوصفة بومي بان سماع سيديا بان سنتي سكي حرام سي بان سنتي دي بان صوفي زماننا دو نو لبوك وإن خلا عن رقص ميم سي بينا دانسي لدان ميم سي بينا دانسي سي سبان سو سكزوت فيلا سي لكت سو سكي حرام سبان ذكر سي سبان poème qui se sentait là li haram fa inna mafasidahu akthar min an tuhsa parce qui souvent ravance qui li fait li beaucoup bien grand c'est qui banjimoun pas arrivé comprend c'est qui banjimoun pas arrivé comprend concernant ravance qui li fait et dit bon qui nous fait ressortir qui il y a beaucoup ban personne qui je pas fait shirk pas fait bid'a mais seulement il y a quelque chose j'entendais je trouvais non mais ça correct moi il y a un anarchiste ça capable écouter et parmi ça il y a ce qu'on appelle qasidatul burda c'est qui il commençait normalement par maula yassalli wa sallim daiman ala rasulika ala habibika maula yassalli wa sallim maula yassalli wa sallim daiman ala habibika ainsi de suite on me dit vers ça et c'est une chose c'est qui très commun dans sa qasidatul burda là et na cher là-dedans qui peut donner Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man qualité c'est qu'il existe Allah subhanahu wa ta'ala qui détenir et qui Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li kon ghaib Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a cause de qu'Allah subhanahu wa ta'ala fin créer la terre et le ciel
Alors, c'est une petite chose, c'est qui ni Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam fin dire, ni li fin prétendre pour lui ça, ni man sahaba fin comprend, et nous gagne une personne qui appelle Al-Busiri, c'est qui li fin écrit sa poème là. Il connaît qui sa poème là, c'est un long poème, et il a beaucoup, beaucoup exagération là-dedans, c'est quand même un ulama fin fait takfir de celui, sa personne qui écrit sa poème là, Al-Busiri fin fait ce takfir, fin dire qu'il vient kafir, l'India qui ne vient qu'à faire. Alors, les malheureux qui aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui appellent ça ben tawhid, c'est qui peuvent faire, pas faire shirk, pas faire bid'a, mais c'est le bon dans le tour, dans la case, et dans le qasid de tout le bourdin qui jouait, et je t'écoutais comme s'il y a une jolie petite chose, à cause ce son joli, et ça c'est définitivement c'est Shaitan qui peut embellir tout ça là, et il y en a qui apprennent tout, puis apprennent ça tout. Alors, ça c'est ben l'égarement qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il protège nous, contre ça. Et si, comment nous peut dire, concernant ça, hein, ça, comment appeler, un petit bout, des bandes soufis. Bandes soufis, c'est qui, je te fais, hein, bandes soufis, c'est qui, je te fais, voici un petit, santé danser. Nous pas mettre la voix, mais c'est moi, connais qui est dans sur la voix, tu es dedans. Et dans cela, voir tout dedans, je vais trouver hein, l'eau YouTube quand je peux guetter. Hein, tout ça lancé dehors, tout ça lancé dehors dans ma zit. Tout ça lancé dehors dans ma zit qui, maintenant, je vais faire. Et voici, embrasse la main, des deux chers, danser, guetter, je tout peux sauter, et dans ma zit, hein, elle est là. Santé, danser, c'est qui m'en souffle faire, pétap. Daf, pas qui y était. Et encore, c'est qui beaucoup plus pire que ça. Faire sajda devant je tchèque. Et normalement, je tchèque là, vous trouvez, c'est lui qui persisait. C'est lui qui persisait là-bas. Ça, c'est l'IM qui tchèque là. Et tout ça, c'est autres ban mourid, c'est qui est là. Alors, ça, c'est un exemple. Un exemple, c'est qui est là. Bon, nous retournons l'eau nous ciser. Hein? Parmi les petites choses, ce qui est là encore, c'est qui, maintenant, je veux dire, qui atteint un degré qu'une personne n'est plus besoin de faire salat. En fait, il n'est pas si salat, mais tout ban la loi des dînes. Tout ban la loi des dînes, maintenant, je veux dire, il est tombé. Quand un soufi, un cheikh, il arrive à certains niveaux d'ordine, certains niveaux de soufi, alors, l'ipéna pour faire salat, l'ipéna pour garder rosa, l'ipéna pour faire hajj, l'ipéna pour faire ça. Et pas si ça, tout man qui chose qui est haram, tel comme zina, tel comme zina, c'est-à-dire marier avec les autres du monde sans nikah, tout ça là. Pardon, PMI, c'est pour eux, tout ce qui appelle, par exemple, boire la boisson, man kham, l'IPMI, c'est pour eux, faire tout qui chose, comment dire, l'ivine légal pour eux. Parce qu'ils se disent, c'est eux-mêmes qui viennent à Allah, comme on vous trouvez tout à l'heure. Alors, ça, maintenant, parmi la conception des soufis, je dis, il y a trois étapes de conviction, c'est-à-dire la croyance qui est énorme. Et là-dedans, parmi ces trois croyances-là, c'est qu'ils se disent, il y en a un appel ilm al-yaqin, la connaissance du yaqin, c'est-à-dire conviction. Ainul yaqin fin trouve li avec un léger et hakul yaqin. Alors, je veux dire, si c'est lui qui fin arrive, ça ôte des hakul yaqin, les vin un wali Allah qui ban la loi, ou bien tout ban la loi des dînes n'est plus appliqué l'oli. C'est-à-dire, pina sharia l'oli. Alors, comme ça même, nous gagne, Abu Yazid al-Bustami, c'est qui un soufi, il dit, ajibtu liman araf Allah, kayfa ya'budahu. Il dit, moi, trouve ça drôle. Moi, trouve ça étonnant. Pour qui une personne qui fin connaît Allah, ah, mais comment? Qui fait un bisan ado, Allah? C'est-à-dire, ça nous peut trouver qui veut dire, qui fait un bisan ado, qui fait un bisan ado, Allah? C'est-à-dire, quand il arrive, ça degré-là, pas bisan ado, Allah, bisan pas faire ibadat. Ahmed ibn Atta, il dit, al-arif, la taklifa alayhi. La taklif, c'est-à-dire, il y a un nom qui est obligatoire, l'oli. Il n'y a aucune imposition, la loi pas appliquée, l'oli. La loi, l'islam pas appliquée, l'oli. Alors, ça, c'est définitivement, c'est manquitso, c'est qui? C'est qui dit, en contradiction avec din l'islam, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala,
pour ce prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Coran, Allah subhanahu wa ta'ala fin ordonné wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Fais ibadat de ton Rabb jusqu'à qu'il y ait le yaqin. Yaqin ici c'est l'amour, l'ivinjoine toi parce qu'il fait al yaqin ici qui veut dire al yaqin. Fais ibadat jusqu'à ton jeune al yaqin. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand un boy man sahaba, un grand sahabi, Uthman ibn Maz'un, le prophète dit Amma huwa faqad ja'ahu al yaqin. Al ja'ahu al yaqin, c'est l'amour fin vin kotli. Quand il fin mot, le prophète fin dit yaqin, c'est l'amour. C'est pas qui, comment dire, il fin compte tout à fait, alors la loi, elle l'a pas appliqué le nom. Et c'est ça qui m'a soufflé faire. Moi, je les ai dit, je de bons enfants, quand je fais introduction, Lola, qui, personnellement, moi, me trouve, ben, Cheikh Soufi, dans Makka, dans Haram Makka, Adhan, peut donner Iqamat, donner, il y a 6 en place, il va faire Salat, malgré qu'il y dort Haram Makka. Malgré qu'il y dort Haram Makka, il n'y pas trouvé important pour faire Salat. Et, Cheikh Oulissam bin Taymiyyah, il dit, « وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ يَسُغُ لِأَحَدٍ الْخُرُوجِ عَنْ شَرِعَتِهِ وَطَاعَتِهِ فَهُوَ كَافِرٌ يَجِبُ قَتْلُهُ » Il dit, c'est lui qui a la conception qu'il est permissible pour sortir en dehors le prophète ce sharia, c'est-à-dire pas faire une ibadat qui le prophète finance et nous pour faire, alors sa personne-là, il n'est pas obéi à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, sa personne-là, il vient un kafir et besoin exécuter, besoin tuer. Bon, il y a un point, c'est qu'il y a encore concernant ben soufi, c'est qu'il est important pour nous connaître, c'est qu'il y a maintenant une croix d'un question qui appelle Wahdatul Wujud. Wahdatul Wujud, Wajada veut dire apparaître. Wahda, c'est-à-dire tout finvin en sel. Qui je peux redire par ça, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on arrive à un degré, de tout qui chose trouve ou besoin trouve Allah. Par exemple, là, je vais guetter l'eau potable, là, je besoin trouve Allah là-dedans. Je trouve rideau devant eux, je trouve l'or mort devant eux, je trouve sofa devant eux. Dans tout cela, il y a Allah. Dans montagne, il y a Allah. C'est-à-dire, c'est un kitso, c'est qui vraiment, dans tout kitso, c'est qui nous guettait, hein, nous peut trouver, moyen, nous trouve, nous témoigne Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, définitivement, c'est un kitso, c'est qui vraiment n'est pas correct du tout. Un akida, c'est qui, les fausses, un akida qui, il y a un ben vers kouf, vers shirk avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans les autres manons, c'est que ben a servi pour wahdatul wujud, tel comme al-mushahada, wahdatul shuhud, ou ça al-fana. Tout ça là, c'est ben thème qu'ils ont servi, et je voudrais remarquer qu'il y a al-mushahada, puis il n'y a aucune place dans hadith, dans Coran, pas de faire mention de ça, al-fana, pas de faire mention, aucune place, ça, et même wahdatul shuhud, pas de faire mention, aucune place dans Coran. Sunni Razwi Society dit, once you are a Sufi, your heart will be free of external lust. Your heart will be transposed into a mirror that you will portray Allah. C'est voyez les qui a tout qui chose que nous trouvons, dit pour bien comment dire, en la glace devant nous et tout qui chose nous trouvons, nous trouve Allah. When you travel with the love of Allah and the path of Allah, then you will not notice anyone besides Allah. C'est quand je vous sortis, je vais faire cette bonne mission, ben ça c'est que je sortis, je vais faire n'importe quoi de ça. Tu vas pas trouver non, excepté tu trouves Allah partout. Alors ça c'est ben ça m'entend de wahdatul wujud. Ça c'est qui chose c'est qui n'est pas correct. Et que maintenant Abu Yazid al Bustami, ben la tête soufi ça, dit il y a c'est qui m'a fait quitte mon œuf, pareil comme un serpent quitte sur la peau. Ensuite m'a fait quitte mon œuf, c'est soi-disant, lui, quand il méditait, il n'a plus jamais un ibadet qui le fait, soi-disant, quand il méditait, comment dire, il saute en déo, c'est-à-dire, il saute en déo, lui. Alors, quand il peut guetter ce neuf, quand il peut guetter ce neuf en déo, bon, il trouve qui, moi, lui-même, qui était ça, il disait, comment dire, quand il est sorti, il persisait là, comment dire, ce roof, il est sorti, pendant que moi, arrivé, soit la fausse, ça, soit mort, c'est avant de l'avant, il est sorti, il allait, quand il peut guetter lui, l'épée trouve, comment dire, pein en roux, dans l'île, comment dire, roux, par exemple, j'ai mon limo, sur roux, qui t'y allait, quand l'épée guette sur l'écho, l'épée trouve Allah. Quand l'épée guette son propre écho, c'est-à-dire, en dehors, l'épée trouve Allah. Alors, ça, c'est une fausseté. Alors, qui veut redire comme si Allah dans l'île. C'est à cause ça même, les autres bonnes personnes, les autres bonnes soufis, ils ont dit, ra'aytu rabbi bi'ayni rabbi. Mon fin trouve mon robe avec l'ige de mon robe. C'est qui appelle l'ige de son robe? L'ige, qu'a là, man anta kultu anta.
Alors, qui s'en a toi? Les fin démon. Les fin démon avec lui, qui s'en a toi? Alors, il vient en moi, moi, toi. C'est-à-dire, moi, moi, Allah. Toi, toi, Allah. Toi, tu aimes, toi, Allah. Et plus clair encore. Plus clair encore. Bon. Bon, ça aussi, il dit, Walam te kun salat, il est raïri. Salat qui m'a fait, il n'est pas pour personne, apporte moi. Bon. Il vient de l'auto, la parole d'Ibn Arabi, il dit, Al-Abdu Rabb wa Rabdu Abd. Ça, c'est Ibn Arabi. Ici, un soufi extrême qui ben ulama fin faire so takfir Ibn Arabi et un autre alim qui appelle Ibnul Arabi. Ibnul Arabi, l'autre là, un imam de sunna. Tandis que ça là, Ibn Arabi dit d'une faire ben ulama fin faire so takfir. Et lui qui dit Al-Abdu Rabb, un serviteur, c'est lui-même qui Rabb, lui-même qui Allah. Wa Rabbu Abdun. Et Rabb, Allah soit lui qui était. Lui-même l'esclave. Alors, si tu trouvais qui ça, c'est un kitso, c'est qu'il n'est pas correct. Alors, si nous disons que ban chrétien, c'est qui croit que Isa ibn Maryam, c'est lui-même Allah, Allah fin rentre dans lui, nous disons ça, c'est kouf. Et, ben, fin fait kouf, qui fait? Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la kafara. Ben, là, je fin fait kouf, la kafara, ben, Israël, je fin fait kouf, qui fait? Parce qu'il se fin prend Isa ibn Maryam comme Allah, comme le fils d'Allah, je veux dire qui le fin rentre dans, le fin rentre, Allah fin rentre dans Isa ibn Maryam. C'est Isa ibn Maryam qu'on pose la question, nous ne pas perdons Isa, nous perdons Allah même nous. Si ben chrétien, je n'arrivais tout dans kouf à cause point seul du monde, je fin dire qu'il lit Allah fin rentre dans lui. Abi pour ben soufi qui veut dire tout du monde qui te trouvait, tout du monde qui existait, tout ça là c'est Allah même ça. Alors ce qui a été kouf qui était, c'est certainement les kouf c'est qui plie, les plis graves ça qui chose là. Et ça c'est shirk, c'est un du monde en dehors l'islam. Et Imam Mulla Ali Qari, c'est un imam qui te suit madhab Hanafi et mais c'est mon sur aqida l'iti correct. Alors, il écrit un livre, Zislosa Rad al-Qa'ilin bi Wahdat al-Wujud. Il écrit un livre, Réfutation, l'Urban qui dit qui Wahdat al-Wujud. L'Urban, c'est qui croit de Wahdat al-Wujud. Il écrit un livre, Lola. De la même façon, un autre imam, Ibn Abi al-Izz al-Hanafi, il dit, Walakin Ibn Arabi, wa amthaluhu munafiqun, zanadiqa. Il dit, c'est, mais Ibn Arabi, il se ben semblable, ben c'est pareil que moi, c'est ben mounafik, c'est ben zanadika, c'est ben c'est qui, pas musulman ça, c'est ben hypocrite, ben c'est qui, je t'en accouffe de je qui croit dans l'ittihad. L'ittihad, c'est qui, tout qui te saute de trouver cette étincelle, et je te poudre le plus profond de différents l'enfer, fidar qu'il asfali minan. Ça c'est, un imam Abul Aziz ibn Abi al-Aziz al-Hanafi, c'est qui ban personne ban Deobandi et ban Bari lui, je reconnais qui ça c'est un grand imam parce que je suis madhab Hanafi dans Maurice. Ça imam là l'ibédia c'est lui qui n'a sa aqida là ibn Arabi qui n'a sa aqida là ibn pareil comme lui c'est ban munafiq qui boudor du fait plus profond de l'enfer. Alors ça c'est ce qui nous est là concernant pour aujourd'hui concernant comment appeler elle donne-nous livre cette raison. Alors inchallah semaine prochaine nous pour continuer avec ça que Allah subhanahu wa ta'ala les protège nous contre ça ban PC là contre ça ban irréel ban personne c'est que je fais avec Allah subhanahu wa ta'ala les garde nous le sirat al-mustaqim tous les temps. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.